Le peuple de France s'est quelque peu retrouvé dans cet homme si controversé et finalement si aimé. Le maire de Villeneuve-Loubet a rappelé le lien d'affection tissé entre Jacques Chirac et les Français. Une affection, mais aussi une admiration exprimée par les Villeneuvois. Je pense qu'on gardera de lui cette proximité avec les gens du peuple et je pense que c'est vraiment mérité. Il faut reconnaître ses qualités, le grand homme que c'était. On peut l'aimer comme ne pas l'aimer, mais on est quand même, on respecte quand même le parcours politique de cet homme. Secrétaire de circonscription du RPR pendant 15 ans, Lionel Lucas organisait chaque année la nuit tricolore en faisant venir le gratin du parti gaulliste. Invité à déjeuner à l'Élysée par Jacques Chirac, le maire de Villeneuve se souvient de l'homme. D'avoir un chef de l'État qui a sa dignité quand même, qui sait se tenir, mais qui en même temps va boire un coup avec n'importe quel citoyen, ben ça c'est la vraie vie. Écoutez, il avait deux qualités principales. La première, c'est une formidable énergie qui brisait tout sur son passage et qui faisait qu'il réalisait tout ce qu'il souhaitait. Et puis l'autre, c'est son côté empathique et il était tout de suite sympathique. Une énergie, une empathie qui ont poussé le maire de Villeneuve-Loubet, au lieu d'une minute de silence, à proposer une minute d'applaudissement adressée à l'ancien président de la République. Après avoir rappelé le parcours exceptionnel d'un homme qui fut tour à tour député, ministre, premier ministre, maire de Paris et chef de l'État, Lionel Lucas, en fin de cérémonie, a invité élus et population à entonner la Marseillaise. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un